Joueurs et joueuses, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Xenoblade Chronicles 3. Un jeu qui, j'allais dire, un jeu qui s'est fait attendre, mais pas tant que ça, hein, puisqu'il a été annoncé en début d'année, plus ou moins, avec une sortie prévue à la base en septembre, avant de sortir finalement fin juillet. Il y a des éditeurs qui devraient en prendre de la graine, je ne dirai pas de nom, ils sont trop nombreux. Alors, Xenoblade Chronicles 3, troisième épisode de la série Xenoblade Chronicles, même si c'est le quatrième en fait qui sort, puisqu'on a eu un Xenoblade Chronicles X entre le 1 et le 2. Et il ne fait pas vraiment suite au 2, enfin c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait on peut très bien jouer à celui-ci sans avoir fait les précédents. En tout cas, c'est ce que j'avance pour là où j'en suis pour le moment, à savoir donc que j'en suis à peu près 17 heures, ce qui est déjà pas mal, ça me donne une bonne idée générale du jeu que je vais partager avec vous. Par quoi commencer? Bah peut-être par le scénario, ça serait une bonne idée. Le jeu se déroule dans le monde de Aionios, dans lequel il y a deux factions qui s'affrontent depuis des temps immémoriaux. On a Keves d'un côté, on a Agnus de l'autre. Je n'ai pas encore cherché s'il y avait des significations à ces noms, puisque bon, connaissant Tetsuya Takahashi, hein, le papa de Xenogears, Xenosaga, généralement les noms ne sont pas choisis au hasard. Est-ce que c'est le cas ici également? Je ne sais pas encore, je verrai ça pour la critique définitive. Donc il y a ces deux camps qui s'affrontent, on dirige Noah qui fait partie du camp de Keves. C'est un jeune homme qui a 18 ans, 18 périodes comme ils appellent ça dans le jeu. C'est un monde pas très joyeux hein, puisque les individus naissent à 10 ans et ils disparaissent à 20 ans. Donc ils ont une espérance de vie de 10 ans et durant ces 10 années ils vont apprendre à se battre et puis se battre. C'est pas très joyeux tout ça et ça compense pas mal avec Xenoblade Chronicles 2 qui avait un héros tout gentil, un adolescent qui découvrait le monde, qui vivait avec son grand-père. Mais c'est vrai que c'était une des critiques qui était revenue beaucoup avec Xenoblade 2, mais je reviens un petit peu après. Donc pour cette vidéo, premières impressions, je vais pas trop vous spoiler, mais vous avez donc trois individus du camp de Keves qui vont rencontrer trois individus du camp de Agnus, et ils vont acquérir un nouveau pouvoir qui va leur permettre de voir le monde sous un nouveau jour. Alors ils vont se retrouver ennemis des deux camps, mais ils vont essayer, comme tout bon héros de JRPG, de changer le monde. J'en dirai pas plus, parce que déjà j'en sais pas beaucoup plus, enfin j'en sais un peu plus quand même, je ne vous dis pas tout pour pas vous gâcher. Tetsuya Takahashi a gardé quelques habitudes, alors c'est vrai depuis qu'il s'est lancé dans les Xenoblade, la partie psychologique, psychanalyse, philosophique et religion de ses œuvres est un petit peu en retrait, mais il garde quand même quelques habitudes. On a par exemple un groupe de grands méchants qui semble tirer les ficelles dans l'ombre, et entre ça d'un côté et des gens qui ne sont pas vraiment maîtres de leur vie, on peut dire que le scénario de Xenoblade Chronicles 3 semble avoir une double lecture. Hein. Enfin bon, je reviendrai dessus un peu plus tard, pas dans cette vidéo en tout cas. Une chose qui est intéressante au niveau du monde, c'est que, alors, je vous ai dit, on n'est pas obligé de faire les deux premiers Xenoblade pour faire celui-ci. Par contre, eh ben, le monde est quand même moins introduit que dans les précédents. À savoir que dans Xenoblade Chronicles 1, il y avait l'histoire des deux titans qui s'affrontent. On apprend brièvement qu'il y a Mekonis et Bionis qui se sont affrontés pendant des lunes, blablabla. Dans Xenoblade Chronicles 2, on apprend qu'il y a des titans comme ça qui se baladent et qui servent de planète, non, de continent sur lequel se sont développés la vie. Là, rien du tout. Il y a le monde, pouf, voilà, vous êtes dans ce monde-là et on n'en sait pas plus. On voit qu'il y a des titans, on voit des formes gigantesques ici et là, on les voit, mais on n'en sait... Enfin, il n'y a vraiment pas d'informations là-dessus. Alors, est-ce que ça sera expliqué plus tard? Je ne sais pas. Ça sera la surprise. Pour le gameplay, alors c'est rigolo. Alors le gameplay, si vous avez fait les deux premiers, vous serez tout de suite en terrain conquis. C'est des petites améliorations de gameplay. C'est assez amusant parce que durant les 10 premières heures de jeu, j'ai été un petit peu dubitatif. Dans le sens où, alors le scénario, je kiffe. Hein. Il y a des scènes, c'est du Tetsuya Takahashi, ça pète de partout, c'est génial. Le scénario, je suis conquis pour l'instant. Par contre, le gameplay, j'ai eu un petit peu de mal. À savoir que ça reprend le système de Xenoblade 2. Dans Xenoblade Chronicles 2, vous aviez 3 personnages accompagné de 3 lames. Vous aviez 3 capacités principales que vous pouviez utiliser qui se rechargent au fur et à mesure. Alors, j'ai pas réessayé les jeux avant. Je confonds peut-être Xenoblade Chronicles 2 et Torna. Je sais qu'il y avait des légères différences. Mais bon, celui-ci, le Xenoblade Chronicles 3, reprend ce principe de 3 techniques qui se rechargent au fur et à mesure. C'est un petit peu amélioré. On n'a plus vraiment ce système de binôme entre les personnages. Par contre, là, on a directement 6 personnages. 6 personnages sur la carte. Et c'est cool. Chaque personnage a un rôle. Et c'est assez intéressant parce que, alors, pendant les 10 premiers
premières heures, je trouvais ça un petit peu redondant avec le système des précédents, parce que c'est kiff-kiff, quoi. Mais finalement, ils ont rajouté un système de classes, à savoir que vous commencez avec 6 classes, qui sont épéiste, soigneur, cogneur, bah, du classique. Et au fur et à mesure du jeu, il va y avoir des nouvelles classes qui vont se rajouter, donc avec des nouvelles capacités. Et puis même, chaque classe se joue un petit peu à sa propre manière. Ça rappelle Final Fantasy Origins, hein, mais sauf que ça se joue pas du tout de la même manière. Et donc au début, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'en suis venu à me dire que Xenoblade Chronicles, j'adore les scénarios, mais au niveau du gameplay, est-ce que Takahashi a pas fait le tour de ce qu'il pouvait proposer? Finalement, le système se complexifie, se peaufine avec les heures de jeu, donc je m'avance pas trop. Pour l'instant, j'attends de voir qu'est-ce qu'il en sera à la fin du jeu, mais j'aime bien, mais à voir sur le long terme, est-ce que ça fera le taf. Ceci étant, tant que le scénario me plaît, il n'y a pas de souci. Par contre, je le trouve un petit peu moins inspiré pour les environnements. A priori, il n'y a pas plusieurs titans. Alors, comme je vous disais, on ne sait pas précisément où on est, mais j'ai vu des décors différents, mais ça se ressemble. Enfin, c'est des variations, hein. Il y a une montagne, il y a une plaine, il y a un désert. C'est cool. Les environnements ont moins de personnalité, hein. C'est déjà dans Xenoblade 2, j'avais un petit peu sentiment par rapport à Xenoblade 1. Là, c'est vraiment encore... c'est un peu toujours la même chose. Et puis surtout, on perd beaucoup en verticalité. Il y a toujours de la verticalité, faut pas déconner. Mais on avait vraiment cette sensation de pouvoir aller dans un coin, de trouver une petite grotte, un truc du genre, ou alors on pouvait passer par-dessus le rebord, et puis on atterrissait sur une corniche et on allait trouver, je sais pas quoi, un truc planqué ou je sais pas. Et il n'y a pas ça ici. Il y a beaucoup moins, il y a quelques grottes ici et là, mais au niveau des secrets, c'est pas la même chose. Alors attention, je dis ça, mais il y a des endroits, je suis dans le bas de la plaine, je vois qu'il y a des trucs au-dessus, je peux pas encore y aller, donc à voir. Au niveau du gameplay, je vous dis même pas tout, ne serait-ce que pour les combats, j'ai dit le gros, mais il y a des trucs que vous verrez par vous-même, je vous laisse la découverte. Je suis en train de vous dire, oui, le décor c'est pas top, mais par exemple, là j'en suis à une quinzaine d'heures de jeu et mes personnages ont obtenu une nouvelle capacité qui leur permet de passer au-dessus du sable. Alors, à voir si le jeu va continuer comme ça, à rajouter des petites touches de gameplay par-ci par-là, au fur et à mesure de l'aventure. C'est pas un avis définitif forcément, ce sont des premières impressions où je vous dis mon ressenti par rapport ce que j'en ai vu du jeu pour l'instant, bien évidemment, ça coule de source. En gros, si vous hésitez pour l'instant, je vais dire un truc. Si vous n'avez pas aimé les deux premiers Xenoblade, c'est pas la peine, c'est mort, c'est pas le jeu qui vous fera aimer la série. Si vous êtes des fans aveugles de Xenoblade, foncez dessus, ce qui vous a plu dans les autres est toujours là, enfin, même si j'attends d'avoir fini, hein, pour me prononcer à 100%. Et puis sinon, y a un autre cas de figure ou pas? Ah oui, si vous avez jamais fait... Si vous n'avez jamais essayé la série, il faut faire les Xenoblade, je veux dire. Mais bon, en même temps, ne me posez pas la question, hein, mais ouais, dès qu'on parle de Tetsuya Takahashi, je suis pas objectif. Techniquement, il y a un truc qui est assez amusant, c'est qu'il y a du clipping inversé. À savoir que normalement, le clipping, c'est des trucs qui apparaissent au dernier moment, hein, genre les brindilles d'herbe, ce genre de choses. Là, c'est le contraire, vous voyez de l'herbe, et puis dès que vous vous rapprochez, elle disparaît. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour permettre d'afficher plus de détails sur les ennemis, quelque chose du genre, ou donner un peu plus de lisibilité au combat? Je sais pas. Après, c'est pas gênant, c'est juste rigolo de voir que l'herbe disparaît quand on avance, surtout quand... Enfin, il m'a fallu 15 heures pour le remarquer, puis maintenant, je vois plus que ça. Et la musique est bien, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé un seul thème qui me fait dire j'attends l'OST avec impatience pour pouvoir écouter ce thème en boucle. Je pinaille, hein, parce que quand on fait le jeu, c'est toujours aussi bien. Les musiques des combats mettent dans l'ambiance, dès qu'on est sur des ennemis un petit peu plus puissants, il y a toujours les ennemis rares, les ennemis machin, truc, chose. Il y a même une nouvelle catégorie d'ennemis qui est ennemi de base, mais plus fort, mais c'est pas non plus des ennemis uniques. C'est rigolo, c'est un petit truc en plus. Et donc il y a toujours ces différentes musiques qui sont très très cool, mais voilà, j'ai l'impression que c'est Xenoblade 3, c'est le Xenoblade qui fait du Xenoblade. En tout cas, pour ce qui est technique, musique, certes. Pour le scénario, c'est un petit peu différent. Et ce que j'aime bien, c'est que Tetsuya Takahashi, on lui fait des remarques, au moins c'est quelqu'un qui les écoute. Prenez Xenosaga 2, le système était vraiment très moyen. Et dans Xenosaga 3, il nous a fait un truc qui était d'enfer. Xenoblade 2, le truc qui revient le plus, c'est le côté fanservice, le côté shonen qui a beaucoup déçu. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Là, on est sur un monde déprimant, on est sur un héros adulte, ouais, il est censé avoir 18 ans,
on est sur des thèmes matures. On sent que les remarques concernant l'aspect juvénile de Xenoblade 2, il les a complètement entendues et il réagit dessus. Et c'est bien un créateur qui fait ça. Donc voilà, c'était mon premier avis sur Xenoblade Chronicles 3. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous en pensez si vous êtes en train d'y jouer. Et puis écoutez, on se dit à la prochaine. Alors je pense que pour le mois d'août, ça va être une vidéo par semaine. Ça va être, on va être un petit peu plus... Je lève un petit peu le pied par rapport au reste de l'année où je fais généralement, mais pas tout le temps, 2 vidéos par semaine. Là, je souffle un peu. On se retrouve dans les commentaires ou dans la prochaine vidéo. En tout cas, d'ici la prochaine, jouez bien ou alors profitez de l'été pour manger des glaces. Mais bon, restez chez vous à jouer à la console. Ah, et une dernière chose tant que je vous tiens. Si vous aimez les JRPG, ce qui est fort possible si vous avez regardé cette vidéo, tous les mois sur la chaîne, je fais un journal du JRPG, le dernier lundi de chaque mois. Je reviens sur l'actualité en Asie, en Occident, mais également sur mobile, et je fais un récapitulatif de tous les jeux qui sont sortis pendant le mois. Si ça vous intéresse, allez faire un tour sur la chaîne, et puis pensez à vous abonner si le concept vous plaît.